السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا Mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, qui en cette nuit bénie de Jum'a nous a réunis dans sa maison pour la célébration d'un nikah, d'un mariage, une action, une pratique hautement appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de la tradition de tous les anbiya alayhimu salat wa salam. Le mariage, c'est la dignité d'un individu. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est l'honneur d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est un toit pour un homme et une femme. Le mariage, c'est un bouclier dans la vie d'un homme. Le mariage, c'est une muraille. C'est une forteresse. Le mariage, c'est la moitié de la foi du musulman. Le mariage, c'est ce qui permet à un homme musulman et à une femme musulmane de faire fructifier ses bonnes pratiques. À partir du moment où l'on est marié devant Allah tabarak wa ta'ala, les offres que nous présentons à Allah tabarak wa ta'ala prennent une autre dimension. Et dans ce mariage, il y a tout ce qu'un individu a besoin. Nous venons sur terre pour trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et réussir à obtenir le paradis. Notre ancêtre et notre père à tous, Sayyidina Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, était au paradis. Lorsqu'il fut au paradis, il a ressenti un manque dans ce paradis. Et Allah tabarak wa ta'ala lui a donné une épouse pour lui permettre de trouver et de combler ce manque qu'il ressentait et l'équilibre dont il avait besoin. Et notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran a qualifié « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Nous avons fait de Mohammed le meilleur des modèles pour vous. Eh bien, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié. Il y a tant et tant de leçons à tirer de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La situation sanitaire, l'organisation fait que le temps que nous avons est restreint. Avec des mots succincts, nous allons essayer de voir ce soir quelques points qui, s'ils sont appliqués, permettront à chacun d'entre nous, mariés, futurs nouveaux mariés, inshallah, les célibataires qui aspirent au mariage, à trouver le bonheur, inshallah. Parce que chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, c'est la sérénité, la quiétude, la tranquillité dans le mariage. La première des choses, c'est savoir que lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils ne doivent s'aimer que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je me marie pour le plaisir d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans un instant, inshallah, Sharif et Maria vont s'unir, ils vont s'unir seulement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, je pense à ces papas, eh bien, qui ont éduqué leur fille. Avoir une fille, c'est différent d'un garçon.
On est plus sensible à cette fille, elle est beaucoup plus fragile, on la fait grandir, on lui donne une éducation, on est attentif à ses besoins. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, eh bien, celui qui amène sa fille jusqu'au mariage, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en a parlé pour 4 filles. Et les sahabas ont demandé pour 3. Et disent que si on aurait même osé demander pour 1, on était persuadé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait donné cette autorisation. Et parce que on prépare sa fille, on lui donne de l'amour toute une vie. Mais pourquoi est-ce qu'on donne notre fille à une autre personne? Eh bien, c'est pour l'amour d'Allah. Parce que nous, avant toute chose, la dimension du mariage, c'est parce que ça fait partie, eh bien, de notre religion. Alors, comment s'aimer pour Allah? La première des choses, c'est qu'à chaque fois que je vois mon épouse, elle doit me rappeler Allah. Et à chaque fois que je vois mon époux, il doit me rappeler Allah. Alors, vous allez me dire, mais c'est compliqué. Comment faire à chaque fois que je rentre chez moi, quand je vois mon épouse, eh bien, je pense à Allah. Et bien, c'est possible. Par la perfection des caractères. Par la perfection du akhlaq. Dans un hadith, dans Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rien n'est placé sur l'échelle qui soit plus lourde que le bon caractère. En effet, la personne de bon caractère aura atteint le rang des personnes qui jeûnent et faisaient la prière. Lorsque je parle avec mon époux, lorsque je parle avec mon épouse, j'apprends à parler avec égard. Lorsque nous parlons, nous discutons, nous ne cédons jamais à la tentation de la médisance, à la tentation de la calomnie. Une famille dans laquelle, dès le départ, le curseur a été mis sur ce niveau, que dans notre maison, jamais il n'y aura de mensonge. Dans notre maison, on ne va pas s'occuper, eh bien, de ce qui ne nous concerne pas. Dans notre maison, on ne va pas faire de la dilafée. Mais dans notre maison, eh bien, nous allons avoir cette exigence d'être toujours sur le bon caractère. Dans cette maison-là, il y a la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. C'est cette rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va apporter le bonheur dans cette maison. La deuxième chose qu'il faut réussir à développer dans le mariage pour trouver le bonheur, pour trouver l'honneur, pour trouver la dignité, c'est apprendre à avoir de la reconnaissance l'un vis-à-vis de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yashkuri nas lam yashkuri Allah ». De manière générale, celui qui ne sait pas, eh bien, faire preuve de reconnaissance vis-à-vis des hommes, eh bien, il ne saura pas faire reconnaissance, être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre épouse cuisine pour nous tous les jours. L'époux va travailler. L'époux et l'épouse se consacrent à l'éducation des enfants. Ça peut être une pensée par SMS. Ça peut être une belle parole. C'est toujours un sourire lorsqu'on entre à la maison. Quelle que soit la situation, nous sommes passés en mode confinement. Dans quelques jours, nous serons en confinement. Pour certains, cette situation est difficile à vivre. C'est pesant psychologiquement. Mais lorsque je rentre chez moi, eh bien, je trouve du réconfort. Mon épouse m'accueille avec un sourire. L'époux rentre à la maison avec un sourire. Nous sommes là pour nous réconforter mutuellement. Eh bien, ça, c'est une force. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'apprendre toute notre vie à communiquer comme les meilleurs amis sur Terre. Avant de se marier, généralement, lorsqu'on envoie un message SMS, eh bien, on réfléchit. Quels mots, quelle tournure de phrase, comment je vais écrire? Lorsqu'on se parle, comment est-ce qu'on se parle? Et une fois qu'on est marié, on reçoit sur notre téléphone, achète le pain ce soir. Oublie pas le pain. M'a besoin un sachet de riz. Pourquoi ne pas garder les mêmes égards qu'il y avait avant qu'on se marie? Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, dans un hadith rapporté dans le Sahih Bukhari, il dit à Aïcha radiallahu anha, je sais moi quand tu es en colère avec moi. Et quand tu es de bonne humeur avec moi. Quand tu es en colère avec moi, tu dis par le Seigneur de Ibrahim. Et quand tu es de bonne humeur avec moi, tu dis par le Seigneur de Muhammad. Vous savez, quand Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, eh bien, il a bu de l'eau,
Et il a posé ses lèvres exactement à l'endroit où j'ai posé mes lèvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un morceau d'os, il a reposé ses lèvres exactement où là, moi je l'avais posé. Pourquoi est-ce que elle nous le transmet cette parole, Aïcha radiallahu anha? Pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin? Parce qu'elle a été touchée. Parce qu'elle a été touchée par l'attention de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est sentie honorée par l'affection de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette affection, cette attention, eh bien, que ce soit, elle doit être mutuelle, aussi bien pour l'époux, aussi bien pour l'épouse. Si dans notre vie, nous essayons de développer cela, vous savez, dans le verset qui a été récité en introduction, que vous avez entendu des centaines et des centaines de fois dans les mariages, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, l'amour passionnel qui nous emmène jusqu'à la miséricorde. Eh bien, cet amour passionnel et cette miséricorde sauront exister dans les mariages où on sait dès le départ faire attention. Et si nous n'avions pas fait attention jusqu'à présent, eh bien, nous essayons de faire attention. Quatrième chose pour trouver le bonheur dans le mariage, c'est le respect de la dignité. Le respect de la dignité, c'est quoi? Eh bien, c'est que même lorsque je suis de mauvaise humeur, je ne dis jamais un mot de travers qui va blesser l'autre. Parce que une fois, on va dire un mot de travers et puis on va s'excuser. Une deuxième fois, on va dire un mot de travers, on va s'excuser. Une dixième fois, une énième fois, on va dire un mot de travers, on va s'excuser. L'autre va nous dire je t'excuse. Mais vous savez qu'est-ce qui est en train de se produire? Il y a de la rancœur qui est en train de se construire au fond de l'individu. Jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, l'autre va dire une parole qu'il ne faut pas. Et pour ne pas arriver à là, pour se protéger de cette rancœur, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut ce respect de la dignité. Respect de la dignité dans les paroles, respect dans la dignité, eh bien, dans le physique de l'autre aussi. Enfin, je conclurai par une cinquième clé pour trouver le bonheur, pour que le mariage soit la joie. Vous savez, dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle à la fin de la sourate Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Que, ô Allah, eh bien, accorde-nous des épouses qui soient la fraîcheur de nos yeux. Qui soient la fraîcheur de nos yeux. Pour que nos épouses soient la fraîcheur de nos yeux, il faut que par notre attitude, par le mode de vie que nous allons choisir, nous sachions faire cela. Il faut des témoignages d'amour. Quand vous regardez dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'obtenir la révélation. Il a vu un ange avec des ailes dont la tête touchait le ciel. Il est angoissé, il a peur. Il se dit, mais est-ce que c'était des hallucinations? Il va chercher secours auprès de son épouse. Il va voir Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, le jour de la révélation, va lui faire le plus beau témoignage d'amour. Wallah, mes frères, est-ce qu'un jour notre épouse nous a fait ce témoignage d'amour? Est-ce qu'un jour nous avons su faire ce témoignage d'amour à notre épouse? Khadija lui dit, mais tu ne peux pas être un homme qui a des hallucinations. Tu es celui qui t'occupe des orphelins. Tu es celui qui aide ceux qui sont endettés. Tu es celui qui aide les veuves. Tu es ainsi. Tu fais ceci. Tu fais cela. Elle lui rappelle toutes les actions de bien, mais elle a vu comment ces actions de bien en vivant auprès de lui. Elle n'a pas vu le mal dans son époux, elle n'a vu que le bien. Elle a choisi comme mari, lorsqu'elle avait envoyé Maïsara pour l'accompagner en Syrie, pour qu'il témoigne eh bien, des bonnes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vit avec lui, elle est témoin au quotidien, matin, midi et soir, des bonnes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, combien de fois est-ce que ça s'est passé dans notre existence où je m'assieds à côté de mon épouse et je lui dis, mais tu sais, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Lorsque nous vivons ensemble, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Allah dans le Coran, il nous dit, ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Lorsqu'il voyait que Allah envoyait des messagers, il disait, mais pourquoi est-ce que Allah envoie des messagers qui mangent, qui boivent, qui se baladent dans les souks? Parce que Allah tabarak wa ta'ala a choisi des hommes prophètes. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une conscience. Nous vivons avec des émotions. Nous avons tous des sentiments. Parfois, nous voulons donner un aspect très fort,
mais derrière il y a un cœur, et ce cœur a besoin d'être réconforté. Et c'est ça le mariage. Lorsque nous aurons compris le sens du mariage, eh bien à ce moment-là, ce mariage-là, ce n'est que du bonheur. Ce mariage-là, il n'est que de la joie. Allah tabarak wa ta'ala accorde à Sharif et Maria, eh bien, la chance de vivre cet amour conçu, partagé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiallahu anha. Que Allah tabarak wa ta'ala leur donne la chance de vivre cet amour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Aisha radiallahu anha ont su partager. Et pensez-vous qu'il est anodin qu'il débute la révélation avec ces paroles réconfortantes de Khadija, et qu'à la fin de sa vie, eh bien, c'est dans le giron de Aisha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décéder. Parce que une vie équilibrée, une vie de bonheur, de joie, c'est lorsque deux personnes savent s'aimer. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala nous donne pleine compréhension de cela. Et un petit message après la célébration du Nikah. Bien entendu, nous sommes tous présents parce que nous sommes heureux de l'événement, mais nous sommes aussi conscients de la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes des personnes responsables. Alors, au niveau des félicitations, nous pourrons donner les félicitations verbalement en respectant les distances voulues et en évitant, en ne donnant pas la main, etc. Parce que cela aussi fait partie des enseignements de l'islam, le respect des règles du pays dans lequel nous vivons. Wa ma tawfiqi illa billah.